あと10秒欲しいな、テウゼル。まだ隠れきっていないんだ。うん、仕方ないな、お兄ちゃん。わかった、10秒だけだよ。Eh bien bonjour à tous, vidéo sur Genshin Impact. Aujourd'hui ça sera une vidéo guide complet sur Tartalia et on finira par son showcase. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Alors c'est parti, on va commencer directement. Donc Tartalia est assez complexe parce que niveau sort, il a deux postures archer et la posture mêlée. Donc son attaque normale, on a l'attaque de flèche, vous tirez 6 tirs consécutifs. Ensuite, on a son attaque chargée, c'est-à-dire le tir visé. Quand vous le chargez au maximum, ça va appliquer l'effet contre-courant à l'ennemi et faire des dégâts hydro. L'effet contre-courant, ça va afficher une marque sur l'ennemi, c'est très visible, vous le verrez. En fait, quand Tartalia attaque un ennemi qui est marqué, ça va faire des dégâts hydro en zone. Et de plus, ses tirs visés complètement chargés, qui est déjà affecté par contre-courant, ça va déclencher contre-courant flash qui fera des dégâts de zone consécutifs. Et ça peut être déclenché une fois toutes les 0,7 secondes. De plus, lorsqu'un ennemi marqué par contre-courant est vaincu, ça fera des dégâts en zone qui de plus applique l'effet contre-courant aux ennemis proches. Donc ça c'est vraiment top. Et bien sûr, là on a l'attaque plongeante. Ensuite, sa compétence élémentaire, la posture du démon. Alors Tartalia, quand vous déclenchez sa compétence élémentaire, il va entrer en posture double dague. Il attaquera au cac, c'est-à-dire au corps à corps. Il va enchaîner jusqu'à 6 entailles hydro consécutives. De plus, attaque chargée fera aussi des dégâts hydro. Et le point important, quand Tartalia va attaquer des ennemis affectés par contre-courant en posture du démon, eh bien ça va réappliquer contre-courant sur l'ennemi qui est marqué, ça va faire des dégâts hydro de zone. Et bien sûr, l'entaille, le contre-courant peut être déclenché une fois toutes les 1,5 secondes. De plus, la compétence dure 30 secondes max avec un temps de recharge de 45 secondes. Néanmoins, vous pouvez enlever la posture de Tartalia à n'importe quel moment, que ce soit en switchant de personnage ou en appuyant sur la compétence. C'est très important de bien gérer ça. C'est pour ça que je considère Tartalia en main DPS secondaire, vu son temps de recharge sur sa compétence élémentaire. Ensuite, son ulti, le déchaînement élémentaire ravage oblitération. Donc, il y a deux ultis avec l'arc et l'ulti avec les doubles dagues au cac. En fait, quand Tartalia fait l'ulti avec l'arc, il va faire des dégâts hydro en zone. Et tous les ennemis touchés par l'attaque vont être affectés par contre-courant. En plus, il va se restaurer une partie de l'énergie élémentaire, plus précisément 20 d'énergie à la fin de l'attaque. Et enfin, on a l'ulti mêlée. Il va exécuter une large entaille circulaire avec sa lance qui va afficher des dégâts hydro importants à tous les ennemis proches. Et ça va générer l'effet contre-courant torrent. En fait, Tartalia va faire son ulti en mêlée sur des ennemis marqués par contre-courant. Ça va faire des dégâts hydro de zone. Et pour ça, son ulti est vraiment excellent. Au niveau de ses passifs, qui prolonge l'effet contre-courant de 8 secondes, donc ça passe de 10 secondes à 18 secondes. Le second passif qui fait que les ennemis qui subissent des coups critiques sur les attaques normales et chargées sont affectés par contre-courant tant que Tartalia est en posture du démon, c'est-à-dire au cac. Et enfin, la maîtrise de l'armement qui augmente de 1 niveau vos attaques normales de tous les personnages. Passons ensuite à ses constellations. Le C1 qui permet de réduire son temps de recharge de 20% sur la posture du démon. Sa compétence élémentaire. Le C2, quand vous tuez un ennemi qui est affecté par contre-courant, ça restaure 4 points d'énergie élémentaire à Tartalia, ce qui permet de faire l'ulti assez souvent. Le C3, ça augmente de 3 la posture du démon, donc plus de dégâts. Le C4 fait en sorte que toutes les 4 secondes, vous allez déclencher contre-courant en taille, c'est-à-dire une AOE sur les ennemis. En fait, toutes les 4 secondes, vous allez avoir une AOE gratos, donc ça c'est vraiment top. Le C5, ça augmente de 3 l'ulti. Et bien sûr, le C6, le top du top. Dès que vous allez ulti, ça va supprimer le temps de recharge. En fait, une fois que vous passez à l'arc, le sort est de nouveau disponible. Vous pouvez tout de suite repasser en mêlée. Voilà, ça annule le temps de rechargement. Son C6 est complètement OP.
Pour ce qui est des armes, l'arc rouillé, il n'y a pas photo. Si vous l'avez raffinement 5, c'est des dégâts complètement insane. On a aussi l'arc, l'aile de la voûte d'azur qui est bien pour lui. Vous allez gagner plus de dégâts sur l'ulti comparé à l'arc rouillé. Là, vous allez faire plus mal sur les attaques normales. Donc, ça dépend de votre gameplay. Pour les autres arcs, vous allez me dire dernière corde. Après, si vous utilisez Tartalia dans un build Burst Support comme Mona, vous pouvez booster son déchaînement élémentaire, mais après c'est bien, mais pas opti selon moi, parce que la maîtrise élémentaire, je suis pas fan du tout. Vous avez aussi l'arc du Battle Pass qui est bien pour Tartalia. Niveau 7, hein, je lui ai mis âme du naufragé qui est vraiment excellent sur lui. De toute façon, c'est le meilleur set pour Tartalia. Concernant sa team, selon moi, la meilleure team la plus opti pour Tartalia est la team électrocution. Donc Tartalia bien sûr, Beidou, Fischl et Shinkyu, double électro et double hydro. Cette team vous permet de récupérer des particules élémentaires après une décharge électrique. Sinon, vous pouvez remplacer Shinkyu par Bennett, mais ça peut être contraignant dû à la surcharge qui va faire valser les ennemis. Donc voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel sur Tartalia, le personnage 5 étoiles hydro. Sur ce, je vous laisse profiter sur son showcase. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et à la prochaine. Ciao.
士族